Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios La 16.fr, la radio RDC, la radio Agora, la radio Dani et la radio Puissance Max. Pour notre lundi 7 mars, nous allons nous rendre en Normandie, oui, une fois n'est pas coutume, sur l'hippodrome de Caen, Réunion 1, course 4, distance 2450 mètres, 16 au départ. Allô, bien composé, et après on verra bien s'il y a des surprises ou pas. On l'a vu encore pour notre dimanche 6 mars que le quintet n'est pas facile du tout à trouver avec le 8 qui sort de nulle part celui-là, mais bon, c'est comme ça, il fausse un peu la course, mais cela fait partie du jeu. Donc j'ai placé en tête de ma sélection pour notre début de semaine le 7 Greco Bello qui sera mon cheval du jour avec Eric Raffin. C'est un très bon point d'appui. Je lui oppose le 10 Gala Durfist. Lui vient de gagner ses deux dernières courses, donc c'est aussi une base plutôt solide. Avant le coup, bien sûr. Le 14 Guilorgé. Dans son ensemble, c'est un cheval plutôt régulier. Le 9 Gribouille sera ma quatrième base. Oubliez sa dernière course où il avait été disqualifié. Et avant, c'était plutôt pas mal. Il avait fait des places 4e, 4e, 5e, 2e. Donc je rachète volontiers ce cheval. Mes 4 bases pour notre début de semaine, le 7, le 10, le 14 et le 9. Le 1, Gaspard, a le droit de venir prendre une place, tout comme le 3, Feuille d'érable. Et le 6, Gourgandine sera beaucoup de folie pour ce quartier. Et je termine ma sélection par le 16, Gold Flight, qui sera beaucoup de poker pour ce quartier. En cas de non partant, le 8, mon cheval du jour, le 7, mes deux bases, le 7 et le 10, mon coup de cœur, le 9, mon coup de folie, le 7, et mon coup de poker, le 16. Mes 2 sur 4, le 7, le 10 et le 14. Mes couplets gagnants placés, le 7, le 10, le 14 et le 9. Je répète ma sélection, mes amis. Le 7, le 10, le 14, le 9, le 1, le 3, le 6 et le 16. Voilà, c'en est terminé pour mon pronostic pour notre début de semaine. Retrouvez-le bien sûr sur la radio La16.fr, sur la radio RDC.fr. Attention, une course qui n'est pas facile du tout à trouver de ce côté-là, parce qu'il y a des outsiders qui peuvent venir un peu comme notre dimanche, pimenter les rapports. Donc je dis attention mes amis. Merci pour vos commentaires, bien sûr, que je reçois sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, les courses.